Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour la démo de 10 Gaïa 5, je sais pas comment on dit, ouais, 10 Gaïa 5. On y va. Bon, ben voilà la démo. Cool. Pas fini. Moi, j'ai jamais joué au premier, hein, aux autres, donc je comprends absolument rien. Excuse me, please wait. My goodness, please wait, Sir Killia. Do you have any idea how much
Super gentil. Ah ouais, carrément. Je comprends rien. Je sais pas qui sont les gentils, qui sont les méchants. Donc il se trouve dans un ciment, il est possible de s'y déplacer avec le stick gauche. Appuyez sur A lorsque vous désirez vous adresser à moi ou à l'un des habitants. Faut changer l'angle de vue, ok. Oula. Ça c'est l'hôpital. Magasin. Là pour sortir. Ok. Alors. Ça c'est elle. Ah, ok, ça c'est la caméra. Ok. À changer les personnages en fait. Ah non, je peux marcher comme ça si je veux, avec la croix. Ça va plus doucement, mais si je peux, ok. Armure. Oui, bon, ça c'est comme dans tous les jeux, hein. Ça augmente la défense, l'attaque. Alors, maîtrise A ou B par exemple. Lorsqu'ils s'habituent à leur arme, ils peuvent ensuite apprendre une nouvelle technique plus rapidement encore. Ouais, c'est un peu comme Dragon Quest. Lorsque vous séparez par exemple de votre épée, vous ne pouvez plus l'utiliser. Bah oui, c'est pas con, hein. Ok. Plus sans chair, oui, bon, ça. Hein. Les chaussures, ok. Ces trucs complètement débiles. Si j'ai joué à un jeu, c'est évident tout ça. Hein. Donc, ah, je suis combien? C'est quoi l'argent en fait? 3000, ok. Donc, dé à coudre, sert à quoi? Ah, c'est un point ça, ok. Épée, on voit l'icône en fait au-dessus. Excusez-moi pour le bruit, hein, il y a du monde derrière. Ça, c'est ok. Par contre, ça ne dit pas en quoi il est bon, mon bonhomme. Ah, on peut essayer, ok. Si je fais ça. Ah, c'est où on voit que les. Ok, plus 12, c'est quoi? Attaque. Ok. Gants plastique. Arme secondaire. Pff,
Putain, c'est compliqué, hein. Ah, change de personnage. Voilà. Quand on marche dessus, c'est quoi ça? Médaille, vêtements, ah, manteau fin. Ok. Désolé, mais je ne comprends absolument rien. Désolé, hein. C'est la première fois que je joue à ce genre de jeu. Ça, c'est quoi? Médaille, couvercle. Je crois pas, t'as aussi un... Oh, mais tout ça! Il y a un pingouin, mais je rêve. Qu'est-ce qu'un pingouin peut faire? Ah non, lui, il fait des gants. Ah, et elle, c'est pistolet, elle. Ah non, c'est un arc qu'elle a. On va prendre, désolé, hein. On va prendre un arc. On va prendre un bouclier. Un bouclier pour le pingouin. Il a des gants, donc on va prendre des gants. Non? Ah, il a déjà des gants minous. Ah, ça fait attaque 9. Ok. Ah, mais il a deux. Désolé, hein. On essaie de faire comme on peut. Hop. Ok, voilà. En client, je sais pas trop quoi ça sert. C'est quoi ça? Bon, on verra plus tard. Oula, bah dis donc. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mon cher, les troupes de l'os ne parviendront jamais jusqu'ici. Nous pouvons nous reposer en paix. Je n'ai pas envie de perdre de temps ici. Ok. Qui vient me tirer dessus, oui, bon, on s'en fout. Oh, on s'en fout. Je vais comprendre comment on joue. C'est quoi ça? Bonjour, bienvenue. Ok, c'est quoi ça? Mais c'est où j'étais, ça?
Ah non, mais t'as d'autres trucs. Ou ils abusent, dis donc. Ah, mais ça, c'est les objets pour. Quand tu combats. Oui, voilà. Je sais pas c'est quoi PC, PS, PV. Ok. Pardon, pas le micro. Alors. Ok, on s'en verra plus tard quand on aura le jeu. Là, c'est juste pour regarder un petit peu à quoi recruter. Après. Mettre des données. Donner des objets. Ah, c'est un peu une sorte de d'encyclopédie. Ok. Ok. Non, on s'en fout, on me parle pas. Je t'ai demandé. Ah, ok, j'étais tombé. Donc ça, on s'en fout. Ok. Ah, quelqu'un là. Désolé, j'essaie de comprendre comment on joue à ce jeu. N'ai jamais joué à ce genre de jeu, donc je sais pas trop ce qu'il faut faire. Là, c'est faut sortir, là, c'est faut dormir, je suppose, pour se remettre. Voilà, à l'hôpital. Soigner, bon, comme dans tous les jeux, hein. On est tous à fond. Ok. Donc on sort. Allons-y. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Ouais, bon, bah, ça va pour l'instant. J'ai pas le temps de tourner les pouces. Dans un endroit pareil. Bon, en fait, il s'ennuie, quoi. Allons, bon. Alors, allons déguster votre repas en plein combat. Me semblait pourtant pas vous déranger, ça c'est vrai. Oui, attendez d'avoir le ventre plein pour se battre comme Luffy. Bon, et on passe en fait. Je voulais déjà voir à quoi ressemble un combat, désolé, hein. Mais n'ayant jamais joué, je sais pas ce qu'il faut faire, ni les combats, donc. Choisissez un sous-monde auquel vous allez. Bah, il n'y en a qu'un, donc. Il n'y en a qu'un. Rentrez dans ce niveau. Oui. J'aimerais voir comment on joue. Qui ai-je l'honneur? Ça va pas la tête? Ne me fais pas tirer sur les gens sans vous prévenir avant. Ouais. Bizarre ça. La famille royale, tiens donc. Les aristocrates. Bon, allez, moi je veux un combat. Je vois comment on fait un combat. Consultez les. Alors, on va essayer comme ça sent pour voir. Début. Alors, caméra. Ça, allié. Ça, c'est les ennemis. Et ça c'est allié ça?
Ennemi. Non, c'est moi ça. Case de départ, sélection, attaquant avec A. Donc c'est-à-dire si je vais attaquer lui. Oulala. Oula. Statue, je m'en fous. Maléfice. Non, on peut. Ah voilà, choisis qui je veux d'abord. C'est quoi? Déplacer la cible. Ouais. Ah ok, les cœurs. Là. Oui, maintenant je fais quoi maintenant? Ah, je choisis un autre. Ok, c'est un parent, apparemment. Bizarre, ce genre de jeu qu'on n'a jamais fait. Je suis dessus? Bon, maintenant. Ah, mais je peux encore bouger? Ah non, faut choisir, attaque. Défense, ok. Donc, ah voilà, non, choisis l'attaque. Ok, lui choisit l'attaquer. Lui, elle, elle attaque personne. Elle attaque. Lui, il se déplace. Là. Il a. Heureusement qu'il y a les boutons, hein, parce que. Ok. Elle. Elle ne peut rien faire. Et comment je fais pour passer tout ça maintenant? Fin de tour. Ok, c'est au par tour. Un peu bizarre, hein, j'avoue, c'est bah, c'est étrange. Faut s'y faire, hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'on fait que un par un en fait. Maintenant c'est bon alors. Ah ouais quand même. Ils sont forts ces pingouins, dis donc. Oula oula oula, calme-toi. Des trophées. Suivant les actions de ces personnages durant le combat, ta jauge augmente. Et tu reçois ensuite tes bonus en conséquence. Ouais, faut faire pas mal de choses alors.
Immuner les adversaires avec des attaques ou des combos groupés, ok. Alors, plus efficace, c'est éliminer plus d'ennemis en utilisant le plus de personnages en une seule attaque. Hein? Mais sinon. Ce perso. Ok. Bon, c'est un peu compliqué quand même tout ça au début, hein, quand tu n'as jamais joué. Prix pour avoir été le plus efficace. Ah bon? Ouh là 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 là! Dur dur. Je sais pas si je me pense ce jeu, c'est un peu. Faudrait jouer pour savoir, mais. Bon, désolé pour l'instant, je vais juste jouer, voir comment ressemble le jeu. On va se refaire un combat vite fait, pour être sûr. C'est quoi ça? Oui, ça marche pas encore. Ah si. Ah, tu peux l'avoir autant que tu veux en fait. Alors, voyons voir. Ouais, il nous explique les rangs en fait. Bon, ça c'est logique, hein. C'est pas non plus compliqué comme dans tous les jeux, hein. Soldat, donc en fonction, il y en a qui ont plus de vie, enfin voilà quoi. Jeune sorcier. Bon bah soigneuse évidemment, hein. Laura. J'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est quoi ça? Alors, plus tu cherches des démons puissants, plus ils coûtent cher. Ah, bonus. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave, on prend ça. Ah, c'est un démon en fait, ok. Ils ont chacun des caractéristiques, ce qui est logique, hein, point faible, point fort, enfin bon, voilà, comme dans tous les jeux. Hein. Et je peux en mettre combien? Ah, j'en ai qu'un pour l'instant, ok. Donc pour l'instant, on met un minimum d'intelligence quand même. Alors, voyons voir. Alors, ça, c'est la soigneuse. La couleur, on s'en fout. Ok. On s'en fout que ça coûte de l'argent. De toute façon, je comprends rien du tout ce qu'il faut faire. Donc. On verra plus ça dans les explications quand j'aurai le jeu, hein, ou quand je verrai un peu plus tard. C'est quoi ça? Pas encore prêt. Donc si je choisis mon personnage. Non, pas ça. Ah, personnage. Laura. Équipement. Ok. Oh, je peux sauter en fait.
exemple, si j'achète là une baguette, à Laura, c'est normal. Un bouclier, c'est normal. Bon, on va refaire un combat pour dire deux. On choisit une destination. J'en ai qu'une. Nous sommes d'accord. Ah. Le prochain, allons-y. C'est compliqué, disons, ce jeu. Bon, attendez. On fera l'histoire, tout ça, après. Pour l'instant, je vais apprendre à jouer. Oh non, c'est tout seul. Le but, c'est de vous montrer quoi ressemble le jeu, pas le faire parfaitement maintenant. Compliqué. Bon, c'est pas grave, on va faire tout seul. Donc lui. Elle soulève tout le monde, donc on la laisse par là. What? C'est tout? Donc lui. Ah, mais je peux monter par-dessus. Et voilà. Ok. Tu te bouges pas d'ici. Hop. Hop. C'est quoi ça? J'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris ce que je viens de faire. Pas grave.
What? Bon, soyons. Je sais pas quoi, mais soyons quand même. Ah, mais elle, c'est la magicienne. Donc, faut rester là, toi. Ok, toi. Ensuite, toi c'est tout fini. Toi, tu avances là-dessus. Tu avances nulle part. Voilà, toi. Tu attaques lui, toi. C'est quoi ça? Choisir la cible. Se battre et en tant qu'arme du perso ciblé. Oula, que c'est ce machin? Je crois que c'est bon, fin de tour. Je comprends rien. Super. What? Toi, tu vas mourir. Toi, tu redonnes de la vie normalement, non? Ok. Toi. Je comprends rien, mais rien, mais alors rien du tout. Comment j'ai fait ça? Compliqué, hein. Tac. Ok. Toi. Tu l'attaques lui. Toi, tu bouges jusque-là. T'attaques le boss. Toi, t'attaques le boss.
Ok. Toi. Soin. Oula, qu'est-ce que je fais là? Mais ça comme bouclier. Ok, il augmente les armes. Ah, elles sont mis la vie elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres gens? Ah oui, il y en a là-bas. Ok. Toi. Derrière. Toi, tu viens par ici. En force, on commence à y arriver, hein. Ok, toi. Tu vas là. Ah, mais ça, c'est Laura, la soigneuse. Elle reste derrière la soigneuse. 20 sur 24. C'est lui qui a besoin de vie, en fait. Donc, si je fais ça. Ah, j'ai plus que un en fait. Ok. Tu n'es pas eu nulle part. Ok. Toi non plus. Hop là. Ensuite, toi. Toi ici. Toi ici. Toi ici. Donc, toi, tu vas morfler. Tu peux te mettre là vu que tu as l'arc. Tu peux tirer de loin. Ok, toi, c'est Laura.
Bon. Voilà. Et toi, t'as plus rien. Ok. Si je fais un tour, ça fait quoi? Oh, enfoiré! Il se tire ce connard, tiens, viens là, toi. Ah, il attaque devant en fait. Donc j'attaque lui. Hop. Ah, je peux attaquer la boîte hein, quand même. C'est complètement débile, mais bon. Alors ça c'est ce qu'il faut que je fasse en fait. J'ai fait que deux bonus. Ok. Ouais, bizarre, bizarre. Hein. Sauter la démo. La démo de quoi? Ah, mais c'est la fin. Ok, bon, bah, on aura vu le principal. Hein. Pour l'instant, c'est juste pour montrer à quoi ressemble le jeu. On verra plus tard le reste. Donc, bah, je vous remercie. Hein. J'espère que vous avez vu à peu près de quoi ça ressemblait. Pas trop dur, trop compliqué, on va dire. Bon, un peu les combats, j'avoue, surtout quand t'as jamais joué au jeu. Sur ce, je vous dis bah, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à suivre les différentes vidéos qui vont arriver. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir, bisous.